président et les dirigeants du club. Je rejoins un grand club à la recherche de meilleurs jours. Je crois que l'ambition doit rester intacte. Voilà, on va jeter toute notre force dans la bataille et faire de Constantine ce qu'il a toujours été. Je crois que autant de du club, et je remercie le président de me faire confiance pour emmener cette équipe sur le chemin de la victoire. Et les contours de l'équipe, l'effectif au complet, bien évidemment. Hein, j'ai regardé ces deux précédents matchs joués contre Vida et contre l'ASMO. Voilà, j'en ai tiré des constats, des enseignements. Je crois que c'est une base de travail très intéressante pour progresser, pour amener l'équipe à gagner. En Afrique, j'ai commencé avec le plus grand club rwandais, le club le plus populaire, dans des conditions difficiles, mais ça ne nous a pas empêché d'aller chercher un titre que les supporters attendaient depuis 8 ans. Et puis ce bon parcours m'a valu d'évoluer à Coton Sport du Cameroun, qui est actuellement le 8e club africain au classement CAF. Un grand club avec beaucoup d'ambition. J'ai occupé le poste de manager général et de coach principal. J'ai beaucoup appris avec ce club et je suis en tout cas ce que je lui dois. Voilà, on a gagné 3 titres sur nos 2 dernières années. On a fait une demi-finale africaine en 2014. Je crois que c'est un parcours très honorable et très début sur le continent africain. Dans un prélégué avec des clubs populaires, alors vous n'allez pas trouver de difficultés avec le CSC parce que c'est un grand club ici en Algérie qui a beaucoup de supporters. Oui, je crois que je franchis un palier avec Constantine. Hein. C'est vraiment un club très populaire, c'est le doyen